Grégory, bonjour. Oui, bonjour. Tu travailles à Exalead ? Oui, Exalead, c'est le moteur de recherche français, en fait. D'accord. Et donc, tu es venu voir ce WW2012 qui se passait ? Tu es venu présenter des choses ? Bon, en fait, Exalead, c'est un des sponsors gold de cette exposition. Et on a aussi organisé un track sur l'industrie, donc l'industrie et le web, parce que c'est notre métier, nous. D'accord, vous proposez des services pour les entreprises ? On fait le recherche pour les entreprises, mais aussi on a un moteur web qui indexe le web. On est le seul moteur européen qui reste. J'ai vu des choses sympas au niveau avec des graphiques, des courbes, c'est super. Oui, parce que le web devient plus intéressant que le texte. Donc il y a plein de vidéos, des images, et donc on traite tous les multimédia aussi. Et qu'est-ce que tu as vu sur WWW qui t'a intéressé, qui t'a marqué ? Well, la présentation par le fondateur du web était intéressante, mais un peu cafouillée. Mais elle a toujours, donc lui, il veut protéger la liberté du web. Et ça nous intéresse aussi, parce que puisqu'on crawle le web pour extraire des informations, c'est important que ça reste ouvert. D'accord. Ça, c'était un peu philosophique aussi, sa présentation à lui. Il a donné des ça partait dans tous les sens. C'était pas que technique. Mais d'un point de vue technique, il y a eu des algorithmes, des choses qui ont été traitées, abordées. Non, tu n'as pas eu le temps de tout voir. Bon, on a eu beaucoup d'échanges avec des chercheurs donc, qui ont proposé soit d'améliorer nos algorithmes ou en exposer nos algorithmes à eux. Et des contacts avec des universités même américaines, comme Carnegie Mellon, qui peuvent nous intéresser. Et là, les stands, ça donnait quelque chose aussi. Ça permet d'avoir de meilleurs contacts. Oui, parce qu'on a été bien placés. Juste devant le café. En plein milieu, oui. Et il y avait beaucoup de gens qui sont venus parler de tous ces intéressants, tout le multimédia qu'on a montré là. Eh bien, merci Grégory. Ok, merci, au revoir.